José Carlos, ce délinquant zurichois qui, maintenant, là, on vient d'entendre, il allait purger 18 mois de prison pour avoir je ne sais quoi fait. Carlos, c'est un nom fictif inventé par les médias. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé Jean Maurice, par exemple? Jean Maurice va en prison. Non, parce que là, ça fait peut-être gag. Ils peuvent l'appeler Ouin Ouin. Ou c'est non. C'est moins sérieux, Carlos, c'est plus sexy. Bon, encore là, on a choisi Carlos. Alors ça, ça passe encore, parce que ça, c'est plutôt hispanique. Et ça, c'est une immigration qu'on peut maintenant tolérer en Suisse. Hein. Oui, à force, on a compris que c'est eux qui avaient fait nos routes et tout. Donc on peut les remercier, les gens, c'est rentré dans les esprits, oui, après 40 ans ou 50 ans même maintenant, c'est bon. Oui, eux, ça va. Puis, on réalise enfin ça, seulement maintenant. On construit nos routes, ces gens, ils ont bossé comme des malades. Et ce qui me surprend toujours quand je vois ces ouvriers qui travaillent et tout, j'ai l'impression qu'ils ne se plaignent pas. À croire même que quand ils font ce métier incroyable, ils en ont du plaisir. Mesdames et messieurs, si vous êtes là, c'est que vous le savez, le racisme, les préjugés doivent toujours être combattus. On a toujours l'impression que, bon, maintenant c'est fini, il n'y a plus de racisme, on a compris, non. On retrouve ça tout le temps. On est tout le temps confronté à se poser la question si une action, si un acte, si une présence, c'est quelque chose qui doit être combattu. La ville de Lausanne est membre de la coalition européenne des villes contre le racisme. C'est un engagement très fort que nous avons pris en signant cette charte. Et cette charte, elle nous oblige. Elle nous oblige à parler de ce méfait qu'est le racisme, des préjugés qu'il colporte, et puis des peines, je dirais, qu'il fait à un certain nombre de personnes. Chaque année, la ville de Lausanne essaye d'aborder un thème. Cette année, nous avons décidé d'aborder le thème racisme et médias. En essayant de réfléchir à savoir dans quelle mesure les propos qui sont rapportés dans les journaux tendent à accroître la xénophobie, le racisme, les préjugés par rapport aux autres. Chaque année, les associations en collaboration avec le BLI mettent en avant une thématique spécifique. La 11e édition mettra en relief les relations entre médias et racisme. C'est une thématique qui ne concerne pas que les journalistes, mais qui nous concerne toutes et tous, puisque aujourd'hui, nous avons toutes et tous un smartphone dans notre poche, dans notre sac, et donc nous sommes reliés à Internet, aux réseaux sociaux. Eh bien, c'est là aussi que se diffusent parfois des messages discriminatoires, mais à l'inverse, on peut aussi les utiliser pour diffuser des messages de respect et de non-discrimination. Pour réfléchir ensemble à ces questions complexes, les associations partenaires et le BLI ont préparé pour vous un programme riche en événements. Le fait que les associations soient toujours partantes pour collaborer avec la ville, pour faire une manifestation sur une thématique qui, je le dis, hein, qui est quand même assez difficile, eh bien, ça démontre qu'il y a un engagement associatif et qu'il y a aussi un engagement du côté de la ville. Donc ça, c'est très, très positif. C'est quand on rejette quelqu'un parce qu'il est différent de nous, il n'a pas les mêmes couleurs de peau, il n'a pas la même culture que nous. Par exemple, toi, t'es moche. Si on est un groupe de bruns et puis il y a un blanc qui veut venir avec nous, on le rejette parce qu'il n'est pas la même couleur que nous, il est parce qu'on le veut pas. Je m'appelle Loa et je suis une chanteuse et j'ai des cheveux blancs.
grosse. Grosse, la puissance. La puissance. Ah, c'est la puissance. Moi, je suis là. Attends, je suis comme ça. La vidéo participative, c'est une méthode qui se réalise depuis très longtemps pour travailler avec des communautés, avec un public cible, des thématiques sociales. Nous avons voulu, pour cette semaine d'action contre le racisme, amener cette méthode, cet outil aux enfants et aux jeunes des quartiers lausannois, avec l'intention de leur donner la voix pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils savaient du racisme, s'ils connaissaient quelque chose ou pas. Et on a vu quand même qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent, mais qu'au fond, ils les connaissent très bien et ils les vivent quelque part. Par exemple, quand je prends l'avion, c'est pas évident. Bon, moi, je me sens coupable déjà quand je passe la douane. C'est comme en voiture, je suis sûre qu'il y en a qui conduisent comme ça. Dès qu'ils voient un flic, ils font contrôler. Vous regardez tout, si votre voiture est en ordre. On se sent coupable. Oui, je peux vous dire, dans un avion, le seul homard qui voyage tranquille, c'est celui qu'on sert en première classe. Hein. Alors, moi, prendre l'avion, rien que la douane, mais c'est l'horreur. Pour moi, ça commence comme ça. Tu sais. C'est bon, ça suffit là! C'est bon? Voilà! C'est un thème qui est très sérieux et des fois les gens ont de la peine à en rire. On a peur, on ne sait pas sous quel angle parler de ce genre de sujet-là. Et puis moi je le fais jamais avec méchanceté. Je crois que c'est une bonne façon d'entrer en matière dans cette semaine de manière ludique. Non, je crois qu'on n'est jamais vraiment libre dans ces sujets-là parce qu'on doit faire attention aux sensibilités. J'ai un avantage. Mine de rien, parce que dans ce thème-là, moi-même, je suis issu de l'immigration à moitié. Et donc, du coup, j'estime que j'ai le droit, d'une certaine manière, d'en parler, beaucoup plus facilement qu'un pur Suisse qui aurait un regard un peu différent, j'imagine, et qui ne pourrait pas traiter le sujet tout à fait de la même manière. Hein. Un homosexuel peut faire une blague sur des homosexuels beaucoup plus facilement, un arabe sur les arabes, etc., ça, c'est connu. Mais tout de même, il faut faire attention... Parce que l'humour fait des caricatures, forcément, on grossit le trait, donc des fois, il y a des limites, et on doit toujours se positionner pour savoir, en tout cas, être intègre avec ce qu'on fait. On a quand même voté sur des belles conneries. Hein, dans ce pays. Non mais t'imagines, il y a des thèmes, il faut pas, il y a des thèmes, on doit pas les aborder, des fois, hein, parce que ça mérite même pas de débat. Parce que dès qu'on fait un débat, après, il y en a qui en parlent, qui pensent que ça vaut la peine de voter là-dessus. On a quand même voté sur savoir s'il fallait ou pas des minarets en Suisse. Mais c'est parti d'où qu'on va combattre l'islamisme en empêchant des minarets de pousser. C'est regarder les choses à l'envers, mais ça ne comprend pas. C'est comme tu dis, moi j'aime pas tellement le rap. Moi non plus. Il faudra interdire les casquettes. Je suis né à Lausanne, j'ai fait mes écoles à Lausanne, j'ai fréquenté... Mes classes, je crois que ma classe était composée de 80% d'enfants qui n'étaient pas suisses, en fait. Et Dieu sait que quand on est enfant, on ne voit pas de différence, en fait. Et ça n'est que petit à petit les mots des parents ou des médias, justement, qui commencent à polluer les esprits. Et on oublie la relation avec les hommes. Et moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Si je suis raciste d'un pays, c'est de la connerie. Et le reste ne m'intéresse pas. Essayons de sortir juste de ces stéréotypes pour être en relation avec des gens et laisser la chance. Ce que j'ai voulu dire, c'est essayons juste de connaître les gens. Moi, la nationalité m'intéresse assez peu.